Et voilà, ici c'est Mister Boss H, un petit peu d'histoire. On parlait de ce qui se passe dans le monde de 1931. Fait de la construction de l'Empire State Building. La construction de l'Empire State Building touche sa fin avec 102 étages et 443 mètres de hauteur. Il gardera le titre du plus grand bâtiment du monde jusqu'à la construction du World Trade Center. 1931 encore. Décès de la légendaire danseuse étoile Anna Pavlova. Décès d'Anna Pavlova, la plus célèbre étoile du XXe siècle. La mort du signe fait partie de ses plus grands rôles. Michael Fokine l'a chorégraphié spécialement pour elle. 1932, lancement de la première guitare électrique. Eh oui, au monde, la première guitare électrique au monde, la Frying Pan est disponible à la vente. Elle est produite par la Robotin Company qui deviendra plus tard Rickenbacker. Encore 1932, le Harbour Bridge de Sydney est achevé. Le Harbour Bridge de Sydney est achevé à la fin des travaux. Il était le plus haut bâtiment au monde, avec ses 8 voies, sa ligne de chemin de fer et un passage piéton. Il est le pont comportant le plus de voies au monde. Encore 1932, Ad Parnassum de Paul Klee. Ad Parnassum, peint par Paul Klee, passionné de musique dans sa jeunesse, le mont Parnasse est une montagne de Grèce. Terre sacrée de musique et de poésie dans la mythologie. 1932, découverte du positron. Le physicien Carl Anderson, né en 1905 aux États-Unis, découvre les antiparticules dont Paul Dirac avait prévu l'existence en 1928. Ces particules ont la même masse que les électrons. La magnitude de la charge électrique est également identique mais opposée. Elle est positive, ce qui leur vaudra le nom de positron. Encore 1932, découverte de l'existence des neutrons. Le physicien James Chadwick, né en 1891 en Angleterre, découvre le neutron. En expérimentant avec des radiations de béryllium utilisées sur diverses substances, il trouve une particule sans charge électrique dont le poids est quasiment identique à celui du proton. Encore 1932, la première autobahn est terminée. Le premier réseau routier à grande vitesse du monde, l'autobahn, est terminé. Il s'étend sur 35 km de colonnes à bornes. Il utilise diverses techniques telles qu'une surface en ciment pour assurer des voyages à grande vitesse en toute sécurité. Encore 1932, premier tour du continent asiatique en automobile. Les voitures du constructeur automobile français Citroën traversent le continent asiatique. 1933, lancement du New Deal. Franklin Roosevelt devient président des États-Unis le 4 mars. Il lancera sa politique du New Deal pour lutter contre le chômage et relancer l'économie. 1933 encore, la condition humaine d'André Malraux. L'écrivain et homme politique français André Malraux reçoit le prix Goncourt. La condition humaine, grand succès en France, décrit la chute du socialisme. Encore 1933. Photographie du tigre de Tasmanie. Le dernier tigre de Tasmanie encore en vie est pris en photo dans le zoo de Beaumaris. Plus aucun tigre de Tasmanie n'a été vu ou attrapé par la suite. Et oui. 1934, premier film en couleur, Becky Sharp. Sortie du premier film en couleur, Becky Sharp. Avant lui, les films courts ou longs n'étaient que partiellement en couleur. 1934, première radioactivité artificielle. Irène et Frédéric Joliot-Curie découvrent la radioactivité artificielle en projetant des particules alpha sur un film aluminium. Ils créent un isotope de phosphore instable. La mère d'Irène, Marie Curie, était aussi présente au moment des expériences. Encore 1934, la photo de Nessie fait le tour du monde. Photo du monstre cryptozoologique du Loch Ness fait le tour du monde. Il restera longtemps la photo de Nessie la plus emblématique. Le photographe admettra lui-même quelques années après que cette photo était un canular. 1934 encore. Résultat étonnant pour la voiture en forme de larme. Hans Stuck, 1900-1978, Allemagne, remporte le Grand Prix de Suisse à bord d'une P-Wagen, démontrant ainsi l'efficacité des voitures en forme de larme. Encore 1934, la voiture larme à trois roues.
La D-Maxion, une voiture à trois roues en forme de larme est conçue par Buckmesser Fuller, 1895-1983, États-Unis. Et oui, États-Unis. Elle comprend un volant à l'arrière qui agit comme le gouvernail d'un bateau. Sa vitesse de pointe est de 201 km/h.